harmonique de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un petit Lenormand. C'est vrai que je n'en fais pas tellement. C'est pas le genre de jeu que j'achète le plus. J'en ai quand même quelques-uns, mais ce n'est pas le genre d'oracle qui fait la grosse partie de ma collection. Et là, pour le coup, je viens d'en acheter deux, coup sur coup. Dont celui-ci, The Hopping Soul Lenormand. Je l'avais déjà vu. Et je m'étais déjà dit qu'il était magnifique, mais j'avais totalement oublié. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne l'avais pas noté sur une liste et je l'avais un petit peu oublié. Et je ne sais plus quel jour il y a très peu de jours de ça. Je regarde une vidéo de Sabrina Passion des Oracles. Je crois que c'était un vlog. Je me demande si c'est pas le tag avec les parfums. Les jeux associés aux parfums. En tout cas, c'est un vlog dans lequel elle montre ce jeu. Et je le revois et je me dis, mais il est quand même sublime ce jeu. Et là, je me dis, oh, je veux aller voir combien il coûte. Je veux, enfin voilà. Donc, je vais voir sur Etsy le prix. Et puis, je me dis, tentons notre chance. Allons voir sur Vinted. Et il y était. Et vraiment à un prix intéressant. Je l'ai acheté dans la foulée et je l'ai reçu extrêmement vite. Et donc, je vous le présente parce que j'ai vraiment eu de la chance. Alors, c'est une très 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 belle boîte en dur parce que c'est de l'auto-édition. Donc, il est de Ricardo Fonseca et il a été illustré par Mitsu. Donc, c'est un très 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 beau coffret. Déjà, l'illustration sur la boîte, je la trouve très très jolie. Alors, il s'ouvre comme ça. Donc, très pratique. Seulement, apparemment, je pense avoir vu que dans le coffret de Sabrina, il y avait aussi un petit souci. Je crois qu'elle y a mis un pochon. Et moi, la dame qui me l'a vendu, elle m'avait expliqué, elle m'a mis du papier bulle pour que les cartes ne bougent pas à l'intérieur. Parce que visiblement, bon déjà, vous voyez là, ça a été un petit peu arraché. Et puis là aussi. Et donc visiblement, l'intérieur de la boîte, c'est pas ça. Vous voyez, ça laisse un peu à désirer. Mais moi, je pense que je vais faire comme Sabrina. Je vais essayer de voir dans mes pochons un pochon qui va être bien au niveau de la dimension. Et je remettrai les cartes dans un pochon, je pense. Donc voilà l'extérieur, le derrière de la boîte, pardon. Donc vous voyez que c'est intéressant puisque... dans le petit livret qui accompagne, il y a 4 langues, dont le français. Et je pense qu'il est envoyé du Portugal. Si j'ai bien vu sur Etsy. Donc ça vient du Portugal, mais vous avez toutes ces langues-là. Donc voilà, il est donc assez épais. Il est petit, hein, il fait la taille des cartes. Voilà. C'est pas un format petit Lenormand, je vais vous montrer. Et donc voilà, on a un livre informatif. Et donc, c'est évidemment la signification traditionnelle du petit Lenormand. Et je pense qu'il n'y a que ça. J'ai bien vu, je vais jeter un coup d'œil assez rapide. Oh, je ne sais plus parler aujourd'hui. Donc oui, on vous parle du cadre du petit Lenormand. Curiosité sur les illustrations. Donc,
des explications sur la façon dont les illustrations ont été faites. Et puis après, vous avez les cartes. Et en fait, le fait que ce soit si épais, c'est parce qu'il est dans 4 longues. Alors, au niveau de la taille des cartes, je vais regarder, parce que c'est plutôt un format tarot. Regardez, par rapport à mon à ma carte de tarot ici, elles sont un tout petit peu plus étroites, mais elles ont exactement la même hauteur. Voilà, donc on n'est pas du tout sur un format petit Normand. Je vais attraper mon petit Normand, si je le trouve, parce que normalement j'en ai un ici, je ne sais pas où il est passé. Alors, voilà. Donc, on va regarder par rapport au Midia le Normand. Donc, il y a une taille de petit Normand classique. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Et c'est un tout petit peu plus large. Bon, au niveau de la largeur, c'est à peu près ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus haut. Et donc, le rapport de taille, on va dire, fait beaucoup plus penser à un rapport de tarot. Et donc, on va regarder les cartes qui donc ont été faites à l'aquarelle. Et elles sont... Ah oui, je ne vous ai pas dit, la qualité est excellente. Elles sont épaisses, elles sont tout de même souples. Par contre, elles sont quand même glossy. Donc, ceux qui n'aiment pas les cartes un peu glossy, ça ne va pas vous plaire. Vous voyez, j'ai quand même un peu le reflet de la lampe. Voilà, donc on voit bien qu'elles sont glossy. Elles ne sont pas du tout mates. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aller revoir pour vous dire en fait, parce que je venais de le revoir là. Donc, les illustrations ont été réalisées à la main avec une technique qui consiste à mélanger des aquarelles japonaises et des marqueurs. Les cadres dorés sont également réalisés à la main avec un style victorien ainsi qu'une touche d'art grec. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le dire. Alors voici le dos, donc avec le cube de Métatron. Donc ce qui ne pouvait que me plaire puisque ben, vous le retrouvez sur le logo de ma chaîne. Donc fatalement, et je trouve que c'est très très joli, c'est toutes ces couleurs, ce panel de couleurs assez douce. Et puis bon voilà, comme vous expliquez, le cadre doré aussi est très joli, il est très classe, je trouve. Alors, on va les regarder une par une. Donc, le cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, ou je ne sais plus. Je vous avoue que la numérotation du petit Normand, parfois je dois encore aller vérifier. Ben, on va le faire tout de suite parce que... Ah, normalement... Oui. Allez, je prends mon petit pense-bête de Célia. Alors, le serpent. Le cercueil. Et j'aime beaucoup, hein, parce qu'on voit directement la lumière. Donc, très chouette. Le bouquet. Je sais, vous voyez pas le reflet, la faux, avec l'idée de récolte, le fouet et le balai, les oiseaux, l'enfant,
le renard, l'ours, les étoiles, la cigogne, le chien, bon gros Saint-Bernard. La tour que je trouve magnifique, je la trouve sublime, on dirait une tour de conte de fées. Le jardin non moins sublime, le mont, mais il est tout aussi beau, je trouve. Alors, la 22. Oui, ça c'est les chemins. Oui, on le voit là. Vous voyez, quand c'est pas évident, moi j'ai encore du mal. Avec la numérotation du petit Lenormand, c'est un jeu dont je me sers moins souvent. Hein. Ben, vous l'aurez compris, hein. Les souris. Le cœur. Alors, ça c'est l'anneau. Avec cette belle notion d'union, hein. Là on l'a bien. Le livre, il est magnifique. Enfin, ils sont magnifiques. Et là, ils sont à la fois fermés et il y en a un qui s'ouvre. C'est pas mal. Alors, la lettre. L'homme, beau gosse, la femme, le lys, le soleil, la lune. La clé, les poissons, l'encre, c'est qui? Pas le reflet. Et la croix que je trouve magnifique, tout en cristaux comme ça, elle est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir ce jeu, de l'avoir trouvé directement. Je vais dire, si jamais tu passes par là, Sabrina, un grand merci à toi parce que c'est grâce au fait que tu l'as sorti pour le représenter que je me suis rappelée que j'avais trouvé ce jeu sublime. Et que j'ai eu l'occasion de me l'acheter dans la foulée. Donc voilà. Un très 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 beau jeu que je vous conseille si vous aimez les petits Lenormand. Je trouve que vraiment au niveau esthétique, il est magnifique. Maintenant, il faut aimer ce type de. Il faut aimer ce type d'illustration. On est bien d'accord, ça c'est une question de goût, mais voilà. Si vous aimez ce type d'illustration. Et si vous aimez les petits Lenormand, je vous le conseille. Voilà donc pour la présentation du Hopping Soul Lenormand de Ricardo Fonseca, illustré par Mitsou. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis merci, vraiment, du fond du cœur. Pour tous les partages qu'on peut avoir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!